En Espagne, le gouvernement de Mariano Rajoy a lancé le processus permettant au roi d'abdiquer en faveur de son fils. Un conseil des ministres s'est tenu ce mardi pour adopter une loi organique. Le pays ne disposant pas de règles institutionnelles précises fixant la succession du monarque. Le texte devra être voté par les deux chambres du Parlement. Le futur roi ne sera pas couronné avant le 18 juin, a prévenu le président du Congrès des députés. Au lendemain de l'annonce surprise de cette volonté du roi d'abdiquer, les visages de Juan Carlos et de son fils étaient graves ce mardi. La situation est inédite depuis la restauration de la démocratie en Espagne en 1978. Si les partis politiques favorables à la couronne sont largement majoritaires, dans la rue, de nombreux Espagnols ont exprimé leur désir d'avoir une république. Des partis antimonarchistes avaient appelé à manifester dans une quarantaine de villes. Ceux qui veulent changer les règles du jeu peuvent le faire, mais ils doivent utiliser les instruments prévus par la loi, a réagi Mariano Rajoy.